Salut tout le monde, moi c'est Willibed. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur comment créer votre première maison lorsque vous arrivez dans un nouveau monde. C'est la première maison dans laquelle vous allez passer votre première nuit. Vous comprenez que cette maison doit être solide, efficace et doit vous protéger surtout des monstres. J'espère vraiment que vous allez apprécier. On va tout de suite passer à l'action. Alors, par exemple, que vous venez tout juste d'atterrir dans votre monde. Alors, premièrement, on va trouver une montagne. Alors, il y en a partout des montagnes. Ici. On va prendre ici. Et non, pas là. Bon. Par exemple, dans cette montagne. Premièrement, vous allez déjà vous faire... Vous allez déjà un peu creuser. Alors, regardez. Vous allez un peu aménager votre terrain. Bon, alors voilà. Vous comprenez, vous aménagez un peu. Maintenant, on va prendre des bûches comme ça. Des bûches, alors moi je vous suggère de prendre cette sorte de bûche là, sauf que si vous apparaissez par exemple dans votre monde et puis vous n'avez pas cette sorte de bois là, vous pouvez aussi prendre ce bois là, alors ça fait très beau aussi. Vous pouvez prendre n'importe quelle bûche, mais l'idéal c'est celui-ci parce que ça fait plus beau. Alors on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 de haut. Par la suite, on va mettre du bois comme ça. Déjà, on a un bon début. Et puis, c'est quasiment terminé en plus. C'est vraiment une maison, en tout cas, que j'adore. Ce type de maison-là, c'est juste fantastique. Maintenant, vous allez prendre... des marches en cobblestone. Vous allez faire ça comme ça ici, des deux côtés. Maintenant ici vous allez mettre par en dessous comme ça. Alors, vous voyez, vous allez mettre une marche comme ça, par la suite comme ça. Bref, vous faites ça en dessous. Et puis arrivé à la fin ici, alors vous faites comme ça. Et puis comme ça. Voilà. Alors là, je vais juste mettre les jours. Alors, vous voyez déjà, on a un très très bon début. Maintenant, on va avec les marches en cobblestone. Vous allez continuer ici jusque dans le mur de la montagne. Voilà, comme ça. Maintenant, c'est l'heure de prendre les marches en bois. Alors, avec les marches en bois, vous allez tout simplement compléter le toit de cette manière. J'espère que vraiment que vous allez apprécier cette maison. Pour la fin, on va mettre des demi-dalles en cobblestone et puis on va les mettre, voilà, comme ça. Alors ça fait quand même joli, hein. Moi je trouve, moi j'adore ce type de maison lorsque c'est votre première nuit. Pour la rendre un peu plus belle, vous allez ici, comme ça, mettre des bûches. Alors vous voyez, ça fait quand même, ça fait un beau style. Après ça ici, on va compléter. Alors ça va être ma porte. Alors vous allez pouvoir même mettre des fenêtres. Alors habituellement quand on commence une nouvelle partie sur Minecraft, on n'a pas tout de suite des fenêtres de cette couleur. Donc vous pouvez mettre des fenêtres comme ça. Alors ça fait très très beau aussi. Alors maintenant pour l'intérieur. Alors vous allez me dire que c'est très très petit. Et oui, qu'est-ce qui est super, juste super cool, c'est qu'on peut l'agrandir, vous voyez. Alors, vous pouvez l'agrandir et en plus de ça, ça va vous donner des ressources. Ah, c'est tantôt, c'est moi qui l'avais creusé. Alors, vous pouvez agrandir autant que vous voulez à l'intérieur. Faites juste attention pour pas trop agrandir pour pas passer au travers de la montagne. Vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur. La mettre à la grandeur que vous voulez. Faites juste attention pour pas trop creuser sur... par exemple, ici, vous voyez, ici,
et à l'extérieur, donc voilà. Bon, alors j'ai fini l'intérieur, alors voilà ce que ça donne. Donc je l'ai agrandi à ma façon, comme que j'aime. Alors c'est plutôt une très très grande maison pour une première nuit. Je trouve que ce type de maison, bien sûr, pour votre première nuit, est juste vraiment génial. Comme si c'était ancré dans la montagne. Alors c'est vraiment super. Il nous reste plus qu'à mettre une petite porte. Et puis, notre construction est finie. Alors bien sûr, si vous avez encore du temps, vous pouvez rajouter des petits détails, du genre ça, comme ça. Et puis pour finir, vraiment, si vous avez un peu de ressources, vous pouvez rajouter ici, comme ça, des bûches. Voilà, ça fait beau, en tout cas. Moi, je trouve que ça fait très très beau. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like sur ma vidéo. Alors, ça fait toujours plaisir. Alors, dites-moi en commentaire, bien sûr, qu'est-ce que vous en pensez de ma maison. Alors, bien sûr, c'est une maison pour commencer sa première nuit. Donc, c'est une petite maison. Mais en tout cas, pour une première nuit, moi je pense que c'est une très très belle maison. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, proposez-moi des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Alors sinon, j'espère que vous avez apprécié. Et on se dit à la prochaine!